Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legion Tales sur Last Train Home. Et du coup, on va faire une mission qui s'appelle les balançoires, la longue histoire. On aidait souvent les villageois, mais cette fois c'était autre chose. On s'est perdu, on a marché toute la nuit, on a même croisé une créature légendaire. Quand on a affronté les rouges, on arrivait à peine à garder les yeux ouverts. Ça m'a l'air d'être un petit peu velu. Alors, on doit tuer le roi de la forêt et ne pas laisser souffrir des innocents. Et on va y aller avec des level 3, deux fusiliers, un mitrailleur et un sniper. Donc cette fois on a un éclaireur, mais par contre on n'a pas de soigneur. Donc il va falloir qu'on fasse assez gaffe. Ici, un tir de couverture. Alors bon, c'est pas mal pour empêcher le grenadier de tirer. Le problème c'est que épuiser le chargeur, ça va être compliqué quoi. On va voir. Surtout si la mission dure. Et on n'a pas de grenadier et pas de soigneur. Par contre, on a le tir critique. Hein, avec, et on a la zone de mort aussi avec le snipe. Donc on a quand même un bon potentiel de baston. A po vesnici nebylo ani vidu, ani slechu. Poživil se pořád, ptal, jestli už tam budeme. A kukačka zase sliboval, že tam už opravdu skoro jsme. Jarábková je už chtěla oba zaškrtit. A do toho jsme ještě neustále slyšeli vití. Et du coup, on nous rajoute un secouriste bonus. Et un fusilier bonus, ok. Bah écoutez, parfait, pourquoi pas. C'est un peu dommage qu'ils apparaissent en petit, mais ils n'ont pas vraiment d'existence, j'imagine. Alors, on va y aller un peu en fufou quand même. Pour pas charger sabre clair comme des gros sacs. Passer par la forêt. On peut passer par la forêt. On a vu d'un truc. On a vu des loups. Putain, les loups, ils sont capables de nous détecter à cette distance. Ils nous ont vu. On passe en tir. Poursuivez-les. Rozumim. Il y a un truc là. Ok, il y en a un qui a réussi à sortir quand même. On a pu traverser la forêt par contre, intéressant. On a une éclaireuse, on va jeter un œil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ici il y a des arbres, il y a encore des loups, ok. Ils se déplacent? Non, qui dort. Panie, par ici, qu'est-ce qu'on a? Ano. To by šlo. Overím pozíciu. Hop, a priori. Čakám na rozkazy, panie. Gagnez pas grand-chose à y aller tranquillement. On va regarder par là. Dommage qu'on puisse pas balancer une petite grenade dans les loups là. Vaše rozkazy? Samozřejmě. Postarám se o to. Ibi? Postarám se o to, pane. Tirer, là, parce que c'est pas gagné encore. Là. Et en plus, on pouvait faire le tour. Là. Alors je sais pas, moi je vois des armes sur la route, je les enlève. Hein. Je suis serviable. Náhle jsme zaslechli krvelačné zavití a v tom se před námi objevil obrovitánský vlk. Pořádný hovado. Červený čepeček jsme sice nikdo neměli, ale vlkovi se i tak na nás očividně zbíhaly sliny. Ok, faut tirer là-dessus, toi tire là-dessus. Ça suffit pour passer, ouais, ça suffit pour passer. Alors il est où le roi de la forêt là? Non, ça suffit pas pour passer. Ok, très bien. Vas-y, tire dessus. Maintenant. C'est bon. Alors, le roi de la forêt, où est-ce qu'il est? Il vient vers nous. C'est le moment de sortir les... Čekám na rozkazy, pane. Rozkladám.
Allez, faut allumer là. C'est long à mettre en place ces trucs. Ils ont atteint du coup. Ah putain, ça fait tellement mal quand ils sont encore à corps. On n'a pas réussi à le tenir. Il a réussi à s'enfuir. Il y a du loup qui sort là. Ah putain, il y a du loup partout quoi. Ok, bonjour, bisous. Et lui, il est refusé. Parfait. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous aider? Pas grand chose, hein. La mitrailleuse, elle va pas nous servir à grand chose, mais qu'est-ce qu'on dit? Par contre, on peut peut-être mettre des petits coups de... Il est à terre. Toi, t'as moyen de mettre un tir critique sur sa main? Voilà, au moins il s'enfuit. Non mais tire-lui dessus. Ah mais d'accord, il se soigne l'enfoiré. Il est capable de se soigner quoi. Bon, toi, mets un coup de... Un coup de truc dans la tronche. Bon, il va se soigner. Il faut qu'on relève Pépère là. C'est en pořádku. Préparé à tirer par là-bas. Quand il va revenir, il va être énervé encore. Sakra. Připraven. Putain quoi. Ah non. On a rechargé. On va lui mettre un coup de. Wow. Vénère le machin. Purée. Ah, j'avais même pas vu, il y a une mitraille ou ça. J'avoue, j'observais pas trop le terrain pour me taper les loups là. Mais la mitrailleuse aurait pu aider, ouais, j'avoue. Bon. Combien on a de soins? Pas tant, mais on va quand même mettre des soins. Alors j'avoue, sans aucun médecin, ça aurait été Tandax, là. C'est en pořádku. Balancez ta compte. Vas-y, soigne. Bon, après, vu comment est la map, on était plus ou moins obligé de faire cet objectif secondaire. Hein. Pas trop de... Měním pozici. Alors, ça donne quoi avec les rouges là? Hledám kryt. Nakonec jsme do té vesnice šli celou noc. Rudí očividně svěřili zásobování do rukou někoho kompetentního, takže by pouhá sabotáž nestačila. Trvalo nám, než jsme k té vesnici našli i vesničana. Pracoval zrovna na poli. Byl jen kost a kůže. Neduživý a málo oblečený na takové počasí. A rudí na té vesnici parazitovali víc než vlci. D'accord. Jdu do krytu. Bon, on va se donner un peu de vision du coup. Nepřítel. Ano. Pas si loin, toi. Hein. Ok, maintenant, on voit du monde. Alors, les mini-officiers sur les camions. Là, il y a une alarme. Et eux, comme par hasard, ils surveillent cette zone. Mais on peut potentiellement faire le tour par là. En se planquant. Quoique nos objectifs sont par là, donc on va plutôt faire ces objectifs-là. On peut faire le tour. Attendez, demi-tour les gars. Oui, je sais, je vais vous faire courir un peu, mais on va aller s'occuper de ces rigolos là. Virajam.
Lui, il voit pas cette zone. On va aller, je pense, quand même se faire celui-là en premier. Personne qui fait le con en passant par les endroits où il faut pas passer, c'est bon. On va rentrer dans ce champ et on va voir nos possibilités. Ano? Poslouchám, pane. Už jdu. Мне нужно поспать. Ано. Ано. Surveille plus cette zone, on est d'accord. Приправени. OK. Toi, on va mettre un petit coup de baïonnette par là. Hop, voilà, merci. Расскажи. Alors, il nous faut. Расскажи, пане. Послухам, пане. Rozumím. Já mu ukážem, že už nebudu. Poslouchám. Et ça en fait deux de sauver. Ano, ano, pane. Là. Eux nous regardent pas, c'est Rozkazy. Cool. On va quand même utiliser un peu notre petite jumelle. Pane, nepriateľ. Et ici, il y a un risque. Ah non. Le dernier villageois, on voit pas pour le moment. On verra une position. Là-bas. A priori, on peut quand même se gérer cela de manière relativement safe. Připravenější u tle rozkazu. Poslouchám, to čekat, pane. Štvrt to bylo. Ano. Presouvám se dle rozkazu. Připravený. Už jde. Vaše rozkazy. Allez, cachez-vous dans la pampa là. OK, là ils nous regardent. Plus ou moins, il faut qu'on fasse attention potentiellement à eux là aussi. Už jdu. En plus qu'on n'a pas de petits grenadiers des familles. Il ferait bien plaisir. Rozumím. Ano, pane. On va devoir attendre un peu parce que s'ils font demi-tour en plein moment où on est en train de les suriner, ça va être la merde. Observer un peu jusqu'où ils vont. On verra une position. Ok, il continue. Připravenější už nebudu. Už jdu. Ano. Hezky opatrně. Kto zděs? Poslali jsme vesničany domů, aby se najedli. Zahřáli a počkali, než se vypořádáme se zdejší situací. Ils ont capturé la tour. Passant. Est-ce qu'on se les fait? Je suis pas sûr que ce soit utile. Hein. Par contre, est-ce qu'ils vont nous voir là, si on sort, si la tour nous voit? Direct non. J'ai cru qu'il faisait demi-tour, mais non, c'est bon. Allez, on libère ça, on capture. Là, il y a un truc faisable, mais il faut une clé. Peut-être si on tue l'officier. Ils ont fait demi-tour. Hein. Là, ils ont fait demi-tour. Hein. Ok, il y a plein de monde, l'officier est là. Ici on peut éventuellement faire péter ou alors ouvrir là. Ok, bah on va peut-être se faire quand même cela du coup. Rozkazy? Nepřítel! Presouvám se. Courir. Kryjem se.
J'aime pas trop la couverture légère là. Est-ce qu'on a un meilleur endroit où on pourrait se mettre pour ça? Pas trop. Pas trop. Donc on va. Pas caché. Un endroit de caché. Ok, voilà. On va préparer. Ça. On va préparer. Rozkladám. On va attendre qu'il soit bien engagé dedans. Pane. Voilà. Čakám na rozkazy, pane. Lui, c'est bon, il est mort. Som pripravená. Parfait. Pripravený. On se recache. Tac. Naše rozkazy. Tac. Et du coup, la suite. Alors, à quoi ça ressemble? Ici, il y a une clé. Ok, la clé est là. C'est vrai qu'avec une petite grenade à la Joseph, on rasait l'intérieur de la maison et puis on en parlait plus, quoi. En termes de possibilités tactiques, on a quelques endroits intéressants. Même si pas non plus ouf. Ici, on peut envisager de s'infiltrer là, si on le souhaite, pour éliminer ça. Ouais, je pense que l'assaut va être probablement le plus légite. On peut pas se les faire. Hein. Mais on peut mettre une petite balle critique sur lui là, si on veut. Eux, ils entendent rien. Ok, recache-toi. Et... on voit pas du tout ce qui s'est passé, lui. Non. On peut pas sauter ce truc. C'est pas cool, ça. Et lui, si, il peut sauter. Il va écouter. J'ai peur que les autres nous voient, mais non, ça va. Ok, on a débloqué cette zone-là. Si on souhaite, genre, venir se placer ici pour avoiner, pourquoi pas. On va attendre que eux passent et on va retraverser. Je pense que choper la clé est une option quand même très correcte. De toute façon, eux, si on les tue, ça nous apporte, on nous en sert rien si on n'a pas la clé. Hein. Alors jusqu'où ils vont, eux? On prendrait pas pour aller tenter de les suriner. Ouais, peut-être pas, en fait. On est obligé de passer par là, ou alors faut faire tout le tour par ici, donc c'est naze. Allez. Pile poil. On va se replier. Même courir, tout simplement. On va se faire chier. Ici. Et après, fuf. Presouvam ça. Vidím nepriateľa. Ah, du monde. Du monde ici. Hop. Lui va nous voir. Entre moi, on peut envoyer deux mecs dans l'angle pseudo-angle mort là, habituel.
Attends, voilà. Tac, tac, ok. Ici. Ano, et après, Koutel. Ja praveriu. Kto zdes? Vidí mne priateľa. On a détecté un autre mec, mais il est loin. Смотрите, легионеры. Приправены. Впред! Рок! Приправены! Rozumiem. Arrière. C'est bon, on n'a pas trop déclenché les feux de l'enfer, tout va bien. Donc il s'est pris une balle à bout portant, mais ça va. Poslouchám. Zaujímám pozici. Si on se plaît là, on peut sniper lui. Zameriavam. Non, on n'a pas la vision, bien sûr. Ano. Dommage. Par contre, on peut peut-être faire un truc rigolo, genre on attend cela au croisement là. Et on les avoine. Et toi, tu peux pas en te placer, donc s'il va par là au pire. Couvrir le flanc au cas où. On va voir si eux décident de sortir ou un truc du genre. Là, ils vont nous voir. Hein. Ils vont nous voir. Měli jste vidět obličej oficíra Rudy, když nás zmerčil. To zde? Poslouchám, pane. Za republiku! Postarám se o to, pane. Oui, bien sûr. Donc ouais, là ils nous ont repérés, mais pour le moment, bah, ils peuvent rien faire parce qu'ils sont enfermés, tout comme nous, on était enfermés. Mais on peut passer jusque là. C'est quoi ça, stoïcisme? Ok. Pripravený. Nechajte to na mňa. Bien. Už idem. Pane? Alors, je pense qu'on va se mettre par là-bas. Ja dúmal. Ja štonibuď uslyšal. Rozkazy? Tuto to pôjde. Vaše rozkazy? Bolšie kofie. Et toi, tu veux venir te mettre ici. Mettre là. Zameriavam. Presúvam sa. Il avance beaucoup trop là. Putain, merde, il est pas visible en fait. Il est pas visible et il nous voit pas. Kto zdes? Zameriavam. Som na ceste. Stoj na mieste. Ça prend une balle malheureusement. L'officier qui a une grosse sac de PV là, et la vache, il a chargé la mitrailleuse et il a survécu quoi. Qu'est-ce qui se passe? Attaque orchestre přišel au dirigeant. Rozkladám. Ah, j'avais même pas fait gaffe, mais on avait des frappes d'artillerie, putain. J'aurais pu artillerer tout ça, ça aurait été rigolo. Bougez-vous. Voilà, bougez-vous, on récupère ça. Mine de rien, on a fait une petite consommation de... Comment? Je trouve plus le mot. De trousse de secours, voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Présouvam ça. De nouveau du champ là. Ici aussi, mais il faudrait qu'on place par là pour l'attendre. Ce qui n'est pas forcément un mal, on va aller voir. Ah non, pane. Vidím mě, priateľa. Il y avait un mec fugitivement, mais il a disparu. Ok, surveille cette zone. Et là, il y a un des camions à gérer. Alors, est-ce qu'on peut se dire... Ah, mais non. Il n'est pas disponible. Ok, d'accord. On me disait, tiens, au pire, je me l'ai fait à l'artillerie. Ça peut être rigolo. Ok, il y en a un qui nous surveille par là, mais c'est que du milicien, ça. Ça me fait pas particulièrement peur. Il voit juste coup jusque là. On a déjà une belle vision, là. Rozkladám. Rozkazy?
tuto to pôjde. Ce coin, je pense qu'ils vont plutôt partir par là qu'essayer de passer par ici. Pripravení. Ustup! Ustup! Ah putain, le camion il se barre. J'aurais pu m'en douter, vous me direz, mais... Vaše rozkazy? To nejde. Kryjem sa. Rozumiem. Vidím nepriateľa. Áno, pane. Il faut courir jusqu'ici. Som na ceste. Čo to bylo? Dodo en position. Rozkazy? Tirez là-dessus. Tirez là-dessus. Čo to bylo? Připraven. Ça va être un gros massacre. Ustup! Ustup! Ça va être un gros massacre parce que on est un peu à poil là. Bon, c'est que du fusillé. Toi, tu charges là. Toi, tu charges là. Putain, on a raté notre charge là. Ok. Vous. Courez après ça. Vous. Courez après ça. Jde se na to. Quoi? Do posledního dechu. Au passage. Pane? Attends, il veut pas. Je synem smrti. Putain, mais il part tout quoi. Ici ça m'emmerde parce que Rozkazy? On n'a pas du tout éclairé par là. Ah non. Přísahám, v téhle malebné vesničce bylo pohřebiště tanků. Postarám se o to. Alors attends, la route fait ça, donc on va plutôt courir par là-bas. Počúvam. Vous, vous êtes le groupe numéro 2. Ano, pane. Courez jusqu'ici. Rozkazy? Vous êtes le groupe numéro 1. Par où il tourne ce corneau là? Presúvam sa. Par là. On va voir si on peut essayer de le rattraper pour lui mettre quelques bonnes rafales à bout relativement portant. Idem do útoku. Rozumiem. On sait jusque là. Alors ici. Ide se na to. Nimbok il est pas parti par là. Du na pozici. Il est obligé de partir par là. Attendez, mais il est où? Mais vous êtes sérieux? Rozumím. Ah putain. Počúvam. J'hallucine quoi. Už idem. On est devant, est-ce qu'il va nous écraser, je ne sais pas. Rozkazy? Ok. Là, vous allez vous préparer à intercepter l'autre, hein, puisque visiblement les débiles là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont complètement foiré. Pane. Ano. Allez, allez. Vous êtes sérieux? Allez, une dernière balle. Schvátili plameny. Si o něj Jarábková zapálila cigaretu. Přesně v ten moment se do ní Koňárek zamiloval. Nepriateľ. Moudrá volba. Oprava tanků byla nekonečná. Trochu jsem si schrupnul, ale Koňárek se mnou začal třást a žvanit něco o rudých a náhradních součástkách. Ukázalo se, že rudí si přivedli posilu v podobě celého tankového praporu. Naštěstí jsme byli tak nevyspalí, že jsme ani nestihli spanikařit. A už jsme byli v tancích připraveni rozsévat zkázu. Poslouchám, pane. Připravený. Ano? Mais ils sont où les deux autres là? Jde se na to. Připraven. Ah bah oui, non, mais oui, on est suffisamment nombreux pour ça. Éliminer 0 sur 58, putain. Dle rozkazu. Ah la vache, quoi. Là, il y a un mec qui court. Ok. Jdu na pozici. Připravenější už nebudu. Planquez-vous dans les... Nepřítel.
Alors du coup, ils arrivent plutôt par là. Donc il faut qu'on soit en ligne. Rozumím. Comme ça. Vidíme nepřítele. On va s'appuyer un peu sur les touffes de trucs là pour gérer nos flancs. En termes de portée, on a quoi, nous? Ah ouais, y a un peu de... Ah, ils sont en train de charger par là aussi. Ok, très bien. Donc, toi, replie-toi. T'es un peu trop tout seul à mon goût. Il faut tirer maintenant. Připraven. Nepřátelské vozidlo. Útočím. Ano. Už jdu. Sérieux quoi? Rozkazy. Jdu do útoku. Jde se na to. Nepřátelské vozidlo. Mhm. Zaměřuju. Là. Et ça s'est éliminé. Postaram se o to, pane. Lui il a couvert. Quoi, faut que t'avances. Je suis synem smrti. Vidím vozidlo. Jde se na to. Ça s'est nettoyé. Toi, tire là-dessus. Toi, tire là-dessus. Toi, tire là-dessus. Připraven. Là-dessus. Jdu do útoku. Là-dessus. Toi, tu vas te profiler par là. Ça, c'est la merde, ça. Il est encore hors de sa portée pour le moment. On va dézoomer un peu. Focus là-dessus, focus là-dessus. Toi, en train de tirer sur je ne sais quoi, mais termine ce que tu es en train de faire. Poslouchám, pane. Il y a lui qui va nous attaquer, sinon. Samozřejmě. Ano, pane, provedu. Trois tirs et ça suffit pas quoi. Rozumím. Ok, on a un petit peu fait mal au gros là. Postaram se o to, pane. Allez, allez. Putain, ça nous siffle aux oreilles. Okay, on se replie. Dle rozkazu. Derrière la maison, les gars, on va aller essayer de. Ah non, pane! Oh putain! Ah non? Cornio. Claroscaso! Faufilez-vous, putain, qu'est-ce que vous foutez? Bande de cons! Il y a des mecs partout! Avance! Rozumi! Voilà, toi t'es un peu devant. Nettoie. Připraven! Avance! Avance! Tire! Nettoie! Tire! C'est bon, on avance! Toi t'es en avance. Voilà. Ok. Ça passe. On va faire le tour. On va passer par ici. Tenter de prendre un peu de flanc. Il y a lui qui est tout seul là. On pourrait retourner chercher un char un peu en meilleur état. Toi viens par là, toi viens par là, toi viens ici, tu vas couvrir. Rozkazy. Ici on sort, on prend celui-là. Připravenější už nebudu. Virage. Ano. Ici on sort, on prend celui-là. Připraven. Ok. Vaše rozkazy. Avancez jusqu'ici. Už tu. Avancez jusque-là. Ano. C'est bien fait les explosions honnêtement. Allez, il reste 57 sur 58, il me semblait qu'il restait deux chars pourtant. Le tout petit angle là où on voit rien ce qui se passe, donc il y a forcément un coin. Bylo od rudých hezké, že nám přivezli náhradní díly k našim novým tankům. Vesničané nám dali teplou večeři a i kam složit hlavu. Spalo se nám hezky s vlastními tanky za okny.
Ouf, une autre mission de fête. Et bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Enfin, on va aller voir d'abord. Pardon, excusez-moi, on va aller voir un peu ce qu'on a débloqué. Quand même. Donc on a réussi les deux défis sur cette mission, ça arrive pas si souvent. Alors, tous les abris sont désactivés, la santé des ennemis est doublée. Alors si ça c'est valable pour les chars, ça pique le cul. Les soldats meurent dès qu'ils sont à terre. Mes soldats ont des munitions illimitées mais une précision réduite, ok, rigolo. Et toutes les compétences sont désactivées, ça c'est dur ça. Alors, on a artillerie, la frappe d'artillerie disponible avec juste un éclaireur niveau 1. Qui a juste la reconnaissance, ok. Marron. Mitrailleuse discrète. Ah, ils ont camouflage, des mitrailleurs avec camouflage, trop bien. Ok. Et mort-vivant, pourquoi mort-vivant? Je ne sais pas. Oh, il a une bonne tête, Boris, là. Esprit dangereux, tête baissée, esprit dangereux, ils ont tous esprit dangereux. Et on a un fusilier, un grenadier, un éclaireur et un secouriste. Cette mission, ça doit être le gros massacre aussi avec celle-là. Ok, ben voilà avec quoi on pourrait éventuellement le faire. On va s'arrêter là du coup, comme je disais, pour cet épisode. Les missions sont plutôt sympas, hein, j'avoue. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.